Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis heureux de te présenter ma map de build, enfin d'edit et build. Ça se présente comme ça. Donc vous rentrez le code créateur qui a, pardon, vous, le code de la map pardon, qui a dans la description. Et donc vous allez arriver ici. Voilà, map créée par Plasmanem. Thanks for playing. Et don't forget to put my creator code in the shop. Ok, jusque là ça va. Donc vous arrivez sur la map, vous allez pouvoir récupérer un coffre, ou plusieurs si vous êtes plusieurs, mais la map est pour faire est faite pour la fin. Elle est faisable que en solo entre guillemets. Parce qu'il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul chemin, disons. Donc bon, j'ai ma connexion qui est un peu en train de péter les plombs. Mais c'est pas grave. Donc du coup, ça se présente comme ça. Vous rentrez le code créateur, vous lancez la partie. Si vous pouvez m'ajouter en code, enfin m'ajouter dans votre boutique, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, ça se présente comme ça. Ici, vous avez un chrono de 20 minutes. Alors, la map est faisable si vous êtes bon en 11 minutes. Donc ici, vous aurez toujours il vous restera 9 minutes de rap. La plupart du temps. Moi c'est ce qui se passe la plupart du temps. Seulement ici, aujourd'hui j'ai pas de coup du tout. Mais c'est pas grave. Tout de suite on va commencer. Avant que je commence à te montrer l'edit, je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on rentre la map. Donc vous lancez en créatif, sur votre serveur privé ou avec des amis, peu importe. Ok, donc vous apparaissez ici. Et donc vous avez votre map ici. Mais vous allez faire ici, définir le code de l'île. Et vous allez mettre le code que je vous donnerai, qui sera dans la description. Vous pouvez copier-coller, c'est pas compliqué. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller edit. Allez, let's go. Ok, donc on est bon, on va pouvoir jouer. Bah, let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Allez. Merde. Ok, j'ai oublié de lancer le chrono. Et de prendre tout ça. Ok. Donc vous le rangez comme vous voulez, hein, peu importe. C'est pas infiniment grave. Et puis dès que vous êtes chaud, et ben vous foncez. Et tout le long va falloir courir et être le meilleur. Bien sûr, je suis filmé, je fais de la merde, alors ça c'est le plus simple. S'il te plaît, merci. Alors pour l'instant, ça c'est pas une map difficile. J'ai fait une simple pour commencer. Alors c'est pour s'entraîner à devenir assez bon en edit. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir beaucoup de différences entre chaque. Il y a différents niveaux entre guillemets, hein, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai mis pas mal de choses à maîtriser. Donc tout ce qui est edit de wall et d'escalier, c'est vraiment le plus important à savoir faire par cœur. Bon là je suis pas surconcentré, hein, donc je fais pas la map parfaitement. Donc je sais même pas si j'arriverai aux 9 minutes. Mais bon, on s'en fout. Ok. Et à chaque fois que vous voyez un carré, il faut le taper. Peu importe sa couleur, j'ai changé un peu les couleurs pour pas que ce soit trop répétitif. Ok, ici on a un problème, mais ce sera résolu. Vous inquiétez pas, je ping, voilà. Je résoudrai ça juste après la vidéo. Ok. Donc ça c'est aussi... Là on va vous entraîner à edit les toits. C'est assez important de savoir faire ça aussi, parce que ça va être, prenez, il y en a deux, ça va être assez important de savoir modifier ça pour le late game. Donc quand on arrive dans les derniers cercles, on utilise énormément d'escaliers. Juste quand on se turtle, il va falloir savoir modifier parfaitement, peu importe. Et du coup c'est très important de savoir manier les escaliers. Donc vous pouvez monter comme ça. Ou ma technique c'est plutôt de le faire comme ça. Après je sais pas quel est le plus rapide. Voilà, et ensuite on reprend sur de l'edit comme le début.
Donc là c'est un temps de répit pour ensuite passer à cette édite là qui est plutôt sympa. Mais après c'est tout ça. C'est il y a rien qui est vraiment compliqué. Mais après c'est que de l'entraînement hein, vraiment. Ça je vous encourage de faire la map une dizaine de fois d'affilée, vous serez chaud comme jamais quoi. Ici c'est pour vous entraîner du coup à... Donc moi je pose des toits parce que du coup c'est pour m'entraîner là-dessus. Mais après vous montez comme vous voulez, hein, escalier ou toit parce que dans tous les cas vous pouvez pas monter autrement. Mais après c'est pour voir les techniques parce que vous pouvez aussi monter comme ça. Mais après c'est comme vous voulez, hein. Vraiment il n'y a pas du tout d'obligation, le but c'est vraiment de vous amuser dans cette sur cette map. Donc c'est une map vraiment pour se train et être le plus fort. Mais voilà. Après je pense que je vais aussi faire des vous apprendre des techniques de build. Parce que disons que c'est plutôt important d'en savoir. Sachant que le build c'est quand même mon point fort sur Fortnite. Franchement c'est vraiment quelque chose que je vous encourage. Donc il y a des checkpoints hein, bien sûr. Putain. Je sais pas comment est-ce qu'ils font les gros streamers pour en enchaîner peut-être 200 étages comme ça. Enfin bref, c'est infaisable hein. Ah, je pensais qu'il y en avait deux. C'est ma propre map et je connais pas tout hein. Super. Quelle bonne ambiance. Ok, donc on retourne sur le premier exercice. Et c'est que de l'enchaînement. Après ça c'est vraiment je vous encourage à tout faire Bah bro, Ici faut réinitialiser les structures. Donc c'est pour pas être prêt en fait. C'est parce que là du coup je dois éditer ça avant de pouvoir éditer ça. Alors que là si j'arrive et que j'édite en premier, j'ai beaucoup plus de temps pour le faire. Donc là ça fait que quand on arrive ici, on a vraiment très peu de temps pour tout faire d'affilée. Ok, donc là on arrive ici. Alors je pense que je vais essayer de trouver une solution pour qu'on arrive face comme ça. Mais bon, ça se sera fait. Donc ici faut juste casser, faut pétave à chaque fois tous les carrés. Donc ça c'est pour s'entraîner au shoot pareil. Ok. Et donc là ensuite vous pouvez faire du coup des 90. Voilà, vous faites plaisir. Donc vous pouvez en enchaîner du coup pas mal. Normalement c'est... Alors pour information, les 90 il faut en faire donc 3. Donc 1, 2 et 3. Et monter d'un seul pour réinitialiser le jump. Parce qu'on a une fatigue. Normalement vous le savez. Mais du coup voilà, c'est assez marrant de s'entraîner à faire ça. Et donc là on retourne sur les premiers exos. Et franchement, alors cette map, elle est superbe. Alors oui, parce que déjà, un, faut que je vous la vende, donc je vais pas dire qu'elle est nulle. Mais déjà, elle est bien pour les débutants. Ensuite, je pense que j'en ferai une plus tard, enfin si vous voulez, hein, bien sûr, pour un niveau plus élevé. Où ça, c'est de la gnognotte, entre guillemets, à côté. Ok, donc là ensuite on continue. Ah, s'il te plaît, merci. Je commence à avoir une crampe au doigt. Ah, je sais pas viser. Ok, super.
pareil, là ça vous entraîne aussi à tirer pendant que vous construisez. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a des moments où il y a les escaliers qui sont mis n'importe comment exprès pour que ce soit pas juste un réflexe de faire simplement ça quoi. C'est vraiment si l'escalier est comme ça, bah vous pouvez aussi le faire dans toutes les manières. Mais c'est vraiment bien de pas faire exactement le même exo à chaque fois. Sinon c'est un peu nul. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous voyez, ça me tue pas. Mais vraiment, inverser, changer de méthode, ça dépend. Voilà, vraiment, il faut juste vous faire plaisir, changer de côté, etc. C'est vraiment, le but c'est vraiment de pouvoir être à l'aise en bullfight en fait. Ça sert à ça les maps d'edit. Donc je le rappelle, hein, n'hésitez pas à me soutenir en code créateur, en place manem. C'est assez important et moi ça me ferait plaisir, après c'est comme vous voulez. Après à la fin vous aurez beaucoup plus de facilité pour les edits à la fin de la map plutôt qu'au début parce que vous serez bien chauffé. Ah je ne sais pas, ok parfait. Je vous avoue j'ai les doigts en sang mais c'est pas grave, je le fais pour vous. Allez! Ok, merci. Voilà, c'est vraiment des réflexes et vraiment savoir le faire pas que dans un sens, le faire dans les deux sens. Voilà, vraiment, c'est assez sympa. Là c'est un moment de détente parce que c'est super simple. Alors je vais mettre un peu plus ça, voilà. Alors là pareil, hein, si vous voulez vous pouvez bourriner avec les SMG et tout, mais après c'est comme vous voulez. Hein. Et s'il y a des passages que vous voulez pas passer, vous pouvez casser le mur. Hein, vous faites plaisir. Ok. C'est là où il faut pas se merder. Putain. 8 minutes 20. Bon, là j'ai fait un peu de la merde, mais c'est pas grave. Vu que je record et tout, bon, je suis pas dans ma forme la plus grande, mais c'est pas grave. Bon, 8 minutes 20, je veux vos screens sur Twitter, hein, @nem05yt. Voilà, vous pouvez venir. Y a pas de soucis. Donc voilà. J'espère que cette map vous plaira. Parce que elle lie aussi un peu l'edit avec le reste. Donc vraiment ce que je vous encourage ça va être vraiment d'essayer de faire cette map, de pouvoir la faire les doigts dans le nez vraiment. Parce que vraiment c'est assez sympa de pouvoir edit simplement. Bref. Donc voilà, aussi il y a les dégâts de chute. Donc faites attention, je pense que je vais aussi retirer le terme, enfin le fait de redéployer le planeur. Parce qu'il y aura des endroits normalement où si vous vous gourez et que vous revenez. Putain d'ailleurs, j'avais jamais vu mais ça fait bizarre. Bref. Du coup le but ça va être vraiment de vous entraîner, de vous faire plaisir. La map est pas faite juste pour décorer. Vraiment le but c'est vraiment, vous pouvez même vous lancer des challenges entre potes. De montrer vos scores et le filer à vos potes et qu'ils fassent mieux. Et du coup vraiment c'est ça le conseil que je vous donnerai aujourd'hui.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si la map vous plaît. À partager pour que ça me fasse des vues, hein, j'aime bien les vues. Et du coup voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Nem. Ciao.